Bali, est-ce que vous respectez, vous soutenir Vital Kamerhe en 2023? Natumi, c'est l'élection de 2018. Et ça, c'est Nairobi qui a été élu. Les engagements interpersonnels n'engagent pas l'État. Félix Tshisekedi est président de la République. Il est là, pas sur base des accords qu'il aurait signés avec Vital Kamerhe, mais sur base de la volonté du peuple. Maman, d'accord, Nandimi, nous sommes le peuple congolais. Nous ne sommes pas dans leur accord. Si Félix Tshisekedi reconnaît avoir eu des accords avec Vital Kamerhe, c'est l'individu Félix Tshisekedi. Donc Félix n'engageait pas l'UDPS. Je parle de l'individu Félix Tshisekedi. Non, non, à l'époque, quand il était candidat, il n'engageait pas l'UDPS. Mais aussi, nous n'avons pas refusé. Si l'UDPS, a des accords avec Vital Kamerhe, que l'UDPS aille régler ses accords, les accords, mais nous, peuple congolais, nous nous référons à la Constitution et à notre volonté en tant que peuple. Félix Tshisekedi, c'est notre candidat en 2023. Nous, nous n'avons rien à voir avec les accords interpersonnels. Il y a un chantage. L'âme d'une alliance politique, c'est d'abord la vision. Quand l'âme d'une alliance politique devient un intérêt quelconque, or nous sommes alliés à l'UDPS sur base non seulement de la vision, mais nous sommes liés par les sorts. Nous, élus de PES, nous, autre vision du Congo, Didier Moudimbou et Félix Tshisekedi sont liés par le sort. Ce sort-là, c'est quoi? C'est le devenir du Congolais. Kamerhe, Félix Tshisekedi, Badaki lié par un intérêt. Et l'intérêt, c'était quoi? Félix Tshisekedi était porté par le peuple congolais. Vital Kamerhe, ayant compris ça, mais qui avait un intérêt, il est venu se greffer à cet intérêt et non à la vision. Yango Mouba Bazur et Landaki Nassima. Donc déjà, Vital Kamerhe, c'était l'inverse. Si ça aurait été l'inverse, puisque la politique c'est des rapports de force, Kamerhe allait être présent à la République. Vital Kamerhe, il a veillé. Vital Kamerhe, lui, intérêts. Les intérêts, non, ses intérêts ne sont plus inavoués. Ses intérêts sont avoués, puisque le parcours de Vital Kamerhe, tout le monde le sait. Ça veut dire que la crédibilité, la conséquence de l'alliance UNC, UDPS, a permis aussi à l'UNC d'avoir des députés. Tout cela. Non. C'est faire leur jeu. C'est mon opinion, ce n'est pas mon parti. La capitale Kamerhe n'a mis Somibale. Comment se fait-il que Bango balingi dialogue? Non, non, ça veut dire que toi, tu es en train de relayer leur voix. Et c'est n'a biso comment se fait-il qu'il y a dans l'optique moko na adversaire? Parce que normalement, un adversaire, déjà, il faut prendre avis naïe avec beaucoup de réserves. Mais comment lui, il se permet de relayer leurs avis? On est en première manche, il y a réponse. Mais deuxième manche, bango va le banabango que bako kindesika mokote. Nan alobi na omamaki, belge alinga kolongwa na mboka oyo. Non, nous ne sommes pas là à nous plier devant leur volonté. Il y a un moment d'un veto de souveraineté. Nous devons juste sortir le veto de notre souveraineté et les bouter dehors. Ceux qui combattent la M23, sont-ils congolais ou pas? Non, ils ne sont pas congolais. Ceux qui combattent ne sont pas congolais. Ils peuvent dire qu'ils ont la nationalité congolaise. Mais même moi, Cédric, aujourd'hui, si je traverse Nakomi M23, dès l'instant que l'âme du M23, c'est le Rwanda, ça veut dire que je porte le combat du Rwanda. Sengomingi, il y a beaucoup de temps, Bandeko, il y a beaucoup de temps, Cédric Moudiantou, il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup de temps. Mingi bako lobalanga, pourquoi ce sont les mêmes têtes qui reviennent? Nan epesi bino payan. Tobe na kabino pour décrocher à ba téléphone te. Be ba auto ba bali disponible yango ndeto yambara bango. Moi en tout cas ma télévision est offerte à tout le monde. Oya lingi koleka, mon numéro est là a bengi ngai to programmer. Remarque na bino ali pertinente mais boye ba koleka pe na kitio, c'est pas facile. Ba tumsu soudan ko ba se livre ka tango se livre nengo na ndima lo kwa Cédric Moudiantou ndima ma finga. Dis-moi ma remarque, dis-moi n'importe quoi. Donc, c'est pas facile non plus. Donc, vous allez quand même un peu indulgent. Je vais inviter Nabiso au Bandimara Koti Kamakamosusu pour Nakoya Naba Plateau. Merci Cédric, en tout cas, la disponibilité. Nayo. Merci madame. Donnez-nous une partie, Nicolo, et Toko au cabinet, hein, Bolali. D'abord, on a attendu pour ma solo tourbette à l'élo. Surtout pour na qui plainte. Je vais vous dire que ça a
alors que vous avez bien soutenir. Mais ce que tout le monde a bien, au bout de la question de l'année. Alors, quand on a bien répondre à la qualité et à débat où il n'y a pas de débat, il y a un cadre à autre vision du Congo, puisque le Congo a lobby, il y a le Congo a mécanisé mon PPSK. Il y a un moment où il a la raté, tout ça toujours d'actualité. C'est là d'ailleurs que je voudrais commencer pour annoncer meeting, il y a mon aîné, un meeting populaire qui se tient ce 3 décembre, ça veut dire le samedi de la semaine prochaine. Ok. Na stade Vélodrome. La fois passée, Zalaki, le 7 mai, Zalaki devant siège Nabisso, pour Salaka, Triomphal et Kangamaki, alors que c'était seulement prévu devant le siège. Tout le monde a qui adhésion, il y a Kinois, Pé à Congolais, la visu à Maître Didier Boudimbou. Alors, tout le monde, tout ça, c'est quoi la Vélodrome? L'objectif, c'est quoi? L'objectif est ça, début 2023, stade des martyrs. Mais ce qui est européen, ça m'a compté en beaucoup majorité. Il y a ma sapoté. Majorité à Moussala, effectivement, il y a adhésion, il y a peuple congolais, il y a il y a Bissot, autre vision du Congo, Matéa, il y a Maître Didier Boudimbou. Il y a un lobby, mon collègue lobby Loleki, c'était le jeudi, Maître Didier Boudimbou lui-même était dans une réunion, la réunion de l'exécutif national, il va être élargi sur exécutif provincial, pour apporter une moralisation, si je peux ainsi le dire, pour réarmer troupes naïe, pour l'Akisabango. Sans ni toujours pèse dans le meeting, il y a les trois. Meeting de la mission, il y a les trois, et ça crie à ralliement patriotique, et ça adhésion, pèse souscription, na appel, il y a Mokondia Mboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Kolandisama, agression, Oyo, Mboka Nabisso, et ça victime avec velléité expansionniste, y a Rwanda, y a Ngoa Benga qui a le but à Congolais, va Sangana, Bissot au Sangani, tout le but au Sangana Nabisso, et vous allez à travers mobilisation. Na stade Vélodrome, Vélodrome plutôt na commune à Kitambo. Dès la présence na Elobi, un autre événement s'était ajouté à ça pour la collecte que ba Congolais mokolo na mokolo bazo kota na vision ya Mokondia Mboka à travers relayeur na ye Oyelelo Ada, Maître Didier Boudimbou, to yamba ki adhésion ye moko personnellement ya mwana Mboka Néron Mbungu. O ba benga ka fumwa banga moyo. Désormais, il faut l'identifier comme autre vision du Congo. Ah, quoi, peu, ouais, il est devenu membre du parti autre vision du Congo, ça veut dire Bissot, Libota, Ezoya Bobele Monene. Donc, nous sommes toujours réveillés, nous sommes toujours réveillés, nous sommes toujours debout, nous sommes en train de préparer 2023 qui est notre défi parce que nous voulons non seulement faire réélire l'homme de la situation, Félix Tshisekedi, mais également lui donner une majorité. Toyo qui est au papa Cédric Moudien Touloubi, élection, vous repérez ça, vous conduisez à Mboka, vous souhaitez à ça la deuxième mandat. Mais papa Nangaï, Mboka, il y en a qui m'y a été. Vous conduisez à Outa qui loin, d'ailleurs, vous l'avez dit. M23P, Tomboki, Lobi, Bango, Makambo, Balobi, Nalouan, Kounet, Ali, Bango, P. Nakotanga makamo susuwa bawo wolo ba susu geto ko relele me foto yeba makansi na bango ba ba solo ba ba M23 ba lobi ba zonga sima me ba ba ko zonga sima ndeni po ba ba kongole ba kende wapi ba na kati mboka na bango papa mudiant election ko salama kaka modelo boko pesa mo fondi mboka deuxième mandat na une partie mboka e keli mama polet ki muntu election e ko salama ça c'est la CENI qui organise les élections. Makambotali M23, c'est une situation qui préoccupe tout le monde. Okay. D'ailleurs, si nous parlons de l'aspect électoral concernant Makambira M23, c'est aussi très préoccupant parce que l'élection est un droit pour tous les Congolais. Nous ne pouvons pas exclure une certaine catégorie à la Congolais, Namaimatali, Maponomi. Or, nous savons tous que Makambo veut les Kalilo, notamment dans l'Est de la République, et Kokozalaloko, et Pekiselimoko, il y a pour organiser l'élection, combattre. Nous considérons ça comme un agenda, un cahier des charges, si on peut ainsi le dire. Non seulement il y a M23, mais également il y a un tireur de ficelle, il y a une situation où il y a les Canada Est. Nous savons tous que M23, c'est un arbre qui cache la forêt. Aujourd'hui, tout le monde, même sur le plan international, nous savons l'implication du Rwanda. Moi, appuyer le temps lobby international, nous avons appuyé Kakayo, qui était Marie Arena, députée européenne, par le lobby M23 soutenu par le Rwanda. Alors, cette députée européenne, soutenue par le Rwanda, a lancé une offensive contre l'armée régulière du Congo qui replonge le pays dans des violences extrêmes. Les ressources du sol sont pillées par les voisins pour des entreprises internationales qui financent la corruption. Au moins, même dans le lobby, il y a un député européen, un lobby financé par le Rwanda. Donc, les ressources sont sécurisées. Et là, sécurisées, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps,
criminalisation de l'État. Pour la criminalisation, qu'est-ce que nous entendons par criminalisation de l'État? Naissance et émergence, il y a situation, il y a insécurité, Rolanda, Namasolo, même le régime passé, le Kabila, ou encore la Kabylie. Bon, il y a une année 2013, M23, avait été défait. Or, quand vous rentrez maintenant, même dans la revendication de Bango M23, ils vous disent, nous demandons l'application de l'accord du 12 décembre 2013. N'est-ce pas? 12 décembre 2013, Tshisekedi de Tshilombo n'était pas président de la République. Or, les kabilistes vous dire en 2013, les M23 étaient défaits. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire justement, il y a eu un accord, il y a eu des accords entre le gouvernement congolais et les M23. Lesquels accords ont été à la base, il y a fragilisation de l'institution à Bissau à travers infiltration. Infiltration parce que vous savez que Bango Bazan a besoin de mixage, brassage, n'est-ce pas? Ça veut dire à travers ces accords, ceux qui Bango Bazan reculaki, c'est plus qu'il y a eu, parce que Bango n'a pas cause à l'issue d'accord à Bango, possibilité à obtenir ce qu'il voulait. C'était un semblant, il y a accalmie, n'est-ce pas? Maintenant, avec Félix Tshisekedi, qu'il est intransigeant face à l'exigence de Bango, mais on a une résurgence. N'est-ce pas? Il y a une situation là parce que Félix Tshisekedi ne veut pas une paix issue d'un dialogue parce que non seulement c'est une paix fragile, mais également c'est une paix et on a là, à chaque fois, il y a un chantage. Au moins, tu vas se replier, non, tu veux pas une mobilité. Non, de toutes les façons, nous ne pouvons pas négocier pour ce qui nous revient à nous, c'est le sol congolais. Le président avait dit même pas un seul centimètre éco-kende. D'où nous n'avons pas besoin de négocier avec nos ennemis. Nous n'avons pas négocié avec ceux qui ont le cahier des charges, notamment de la balkanisation, avec la complicité de la communauté internationale. La communauté internationale, nous savons déjà, nous avons considéré RDC le coup là. Zone tampon, une guerre économique. Ce que vous avez besoin sur la zone tampon, vous avez besoin tout ça, l'émission élaborée où je viendrai en tant qu'économiste. Je vais rentrer dans la colonisation, tout na table ronde, n'est-ce pas? Dans 1885. Non, mais là, amplification, malheureusement, il y a quelques dirigeants congolais, on a donné criminalisation de l'État, notamment Bamouzé, dans l'ignorance, il faut concéder Matamoussou et Bélé et fragiliser ceux qui ne le. Je voudrais bien une émission élaborée où nous ne parlerons que de ça. Fatih a concédé. Fatih n'a pas concédé. Et il ne concédera pas. Quel accord il a signé? Il y a une façon qu'on concédé, Bandeko. Nanda, c'est quoi le point de Fatih a concédé? Vous avez vu, dans le 77e sommet, il y a Assemblée générale, pardon, 77e session, il y a Assemblée générale, il y a Nations Unies, président rwandais, à l'objet de nous voulons une option moins coûteuse et pacifique. Il voulait vous parler du dialogue. Vous avez suivi bien avant ça, le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, vous montrez l'incapacité de la RDC, n'est-ce pas, à faire face à cette situation, vous contraignant une fois de plus la dialogue. Donc, on est en train de vouloir vous montrer que vous ne serez jamais en mesure de faire face tout en vous maintenant aussi dans l'embargo. Ce qu'on a eu pour nous répondre pourquoi Fatih a sa concession T. A bon écoute, tu m'as cambé au sala, ma concession. Bango va dans l'optique, n'est-ce pas? Il y a dialogue. Même Bango va inventer le T. Bissot, le limite, mon boulot, Bango, pour faire baisser, ne va pas agresser Bissot. Dans l'autre temps, c'est eux qui sont en train de s'aimer les chaos. Dans l'autre temps, on m'a dit que la résolution Oyo et où tu vois ça là, na. Na Luanda, M23, et ça va, Nairobi. Na Luanda, ouais, souka. Ouais, souka. Na Luanda. M23, à l'Ominini, a désisté à reconnaître en goûté à Boy. A ce Boy, à Penzam, non, TV étrangère. Voilà une analyse claire que le chef d'État n'a pas concédée. Si le M23 qui veut des accords, comme ce fut le cas avec Kabila, refuse l'option levée à Luanda, ça veut dire que le M23 n'a pas trouvé son intérêt dans la démarche enclenchée par le chef de l'État Félix Tshisekedi, qui ne veut pas voir un seul centimètre de notre territoire et de la concéder par le Rwandais. C'est bien clair que Félix Tshisekedi ne s'inscrit pas dans la logique de la concession. Ça, même un enfant qui n'a pas... Bah, c'est dit que vous dites, 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 bah,
Nous n'allons pas négocier dans le sens de leur donner au Bango Bazuluka puisque leur cahier de charges est connu. Yango moni biso, l'ingomba politique autre vision du Congo. Nous avons dit au président, nous avons d'abord salué le fait que le président de la République ait trouvé le moyen de hausser les taux à travers opération militaire, justement parce que notre paix doit se gagner. Nous considérons notre paix comme un prix. Nous devons donner ce prix-là pour avoir ce qui nous est de droit. Yango Moni Biso te félicite, que paix Tolobi Naye a continué la politique Oyo tout en mettant en place pour contourner Baventure Nabango une politique coopérative face aux aventures que nous avons découvertes avec la communauté internationale, n'est-ce pas? Mais intimatant ma pessi bango na moti otanga intimatant ma pessi bango balobi ezo sila lelo ne doko tourner mission na 18h intimatant mesili yo na bato bazo banga to bitumba lelo ezala ekosa siko frontal penza to balo ba to kepe na bitumba bien intimatant lelo ne doko tourner mission na 18h mesili. L'option rationnelle que nous devons reconnaître dans sa moni ba groupe oyo ba ye ya neutre tout ce comment vous appelez ça oui eza issu na ba entente tout ça. Mais quand ils arrivent déjà, militaires, Kenya et tout ça, les militaires vous tiennent un discours politique. Nous ne sommes pas venus nous battre, nous sommes venus pour nous encourager processus politique. Quand un militaire vous tient ce genre de discours, comprenez l'agenda de ceux qui l'ont envoyé. Non, on ne pouvait pas, le chef de l'État ne pouvait pas laisser qu'on parle du dossier de la RDC à l'absence de la RDC. Mais nous ne pouvons jamais être là où, nous ne pouvons jamais manquer là où on parle de nous. On doit être là pour savoir effectivement qu'est-ce qui se trame contre notre pays. Parce que tant que lobby, on pouvait pas être, ne pas être là. Mais le lobby a commis qu'au fond, la biseau, le lobby, tu signes qui m'a cambo. Mais tu t'en as qui pensait que close, il y a tout. Non. Par exemple, que tel, ils allaient à Kofungwama, que la frontière, ils allaient à Penzate, monnaie unique, ma cambo boye, armée, donc, tu roko kabola, ma belle, ou tu m'as commis, il y a tout, 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 émission où la dernière fois que j'étais sur ce plateau, j'avais insisté sur une notion pédagogique. Je voulais bien que les téléspectateurs, il y a Asololi, à l'image, il y a animatrice, il y a Asololi. Ça veut dire des personnes intelligentes, n'est-ce pas? Et pour être intelligent, il faut bannir les on-dit. Il faut rester et se conformer ou encore ne s'attacher. Ils ont dit que ma voix n'est pas pensée, papa. Mais maintenant, n'est pas que nous n'avons pas suivi. Ma clause, il y a ESC. Maman, on n'a pas suivi une communication officielle du gouvernement congolais allant dans le sens, il y a ma spéculation au nostro. Mais est-ce que, toi, ma tête, toi, papa, c'est une boudienne. Autant que Penza, ma cambo ESC, autant que. Je suis communicateur. Autant que Mbo Penza. Bien sûr que oui. Et le barat est que, toi. Fouga la frontière, tout ça la boye, tout ça la monnaie unique, tout ça la boye. Quand on dit qu'au fond la frontière, quand on dit monnaie unique, je ne vois vraiment pas ce que les gens voulaient voir dans ça comme diabolique. Espace européenne, bata monnaie nini, il y a euro, n'est-ce pas, Union européenne. Est-ce ce qui fait que, et voilà, soit monnaie fragile ou bien fragiliser l'économie là-bas? Chaque pays s'appelle moins fort, hein? C'est ce que je dis. Un pays, mon Europe, ils ont absorbé mon soutien. Il y a un monnaie, dans une discours, dans la réponse qu'on a relevée. Pays manquant, ils ont absorbé nous sous-souter par rapport à l'ouverture économique. Wana. Nous, au moins, nous pouvons répondre à l'organisation d'un chef de l'État, à tel que la solution au problème congolais viendra du Congo. N'est-ce pas qu'il a commencé par organiser l'armée congolaise? Tout le monde a une nomination à quatre armées congolaises pour effectivement combattre l'ennemi Nabino tout en ayant les infiltrés de ces ennemis-là dans votre armée. Le chef de l'État, sachant pertinemment bien qu'il est en train d'engager toutes les machines, d'allumer toutes les machines. Pour finir cette situation, il est bien sur le plan diplomatique, mais également sur le plan militaire. Sur le plan militaire, ça veut dire renforcement de l'autorité de l'État. On a mis en place un nouveau visage dans l'armée Nabiso pour la redynamisation, de manière maintenant à engager un bras fort, à engager une guerre réelle, à aller effectivement dans la frontale, dans le bateau, dans la velléité expansionniste. Le chef de l'État n'a pas ouvert la brèche pour que ces gens-là puissent effectivement avoir ce qu'ils veulent par rapport à l'agenda de Bango, mais il est en train d'agir sur base à, comment je peux appeler ça, aspiration à la Congolais, n'est-ce pas, il y a pour garder territoire à Bango, mais tout en faisant de ce territoire-là effectivement
C'est le cas sur le bac qui élection 2023. Maintenant, pourtant, il y a un lien à l'UNC. Dans sa déclaration signée par Billy Kambale, l'UNC de Vital Kamerhe évoque le respect de l'accord de Nairobi entre l'UNC et l'UDPS. Il y a un lien à l'UDPS, mais il y a l'Union Sacrée. En vrai, l'UNC estime que l'accord est toujours d'actualité. En 2023, l'UDPS doit soutenir la candidature de l'UNC. C'est ça le respect des engagements. Papa Nangaï, Motou Nangaï Alibouï. Mais vous allez l'UDPS, c'est déjà clair. Mais vous allez l'UDPS, l'Union Sacrée. Tout ça va lié à l'UDPS. Lié à l'UDPS. Oui. Ok. Pas les moindres d'ailleurs. Si quoi dossier où on est commenté et commis qu'aux hommes, après l'élection, il y a une quitté. Est-ce que beaucoup respectent l'engagement où on a IDPS, comme Yopi Bali Bali, est-ce que beaucoup respectent, beaucoup soutenir Vital Kamerhe en 2023, Ndenge Boyo Kanaka en Nairobi? Il va simple pour répondre à cette question. Les engagements interpersonnels n'engagent pas l'État. Oh, Yesu. Et comme il est interpersonnel. Les engagements interpersonnels n'engagent pas l'État. Hein? Félix Tshisekedi est président de la République. Il est là, pas sur base des accords qu'il aurait signé avec Vital Kamerhe, mais sur base de la volonté du peuple. Maman, d'accord, Nandini, ma remonte le bas. Élection, oui, Nandini, Félix Tshisekedi. Mais l'élection de 2023, on a candidat. Mais Nathuni, maman. Bon. Nathuni, ça m'a candidat. Eh? Nathuni. C'est l'élection de 2018. Et ça, l'élection de Nairobi, on a répété du Congo. Et ça, la République démocratique du Congo, le peuple congolais a élu Félix Tshisekedi. Et Félix Tshisekedi sera réélu sur base de la volonté. Il y a peuple congolais qui ne se réfère que n'a pas le côté d'accord là-bas. Nous, nous sommes le peuple congolais. Nous ne sommes pas dans l'air d'accord. Si Félix Tshisekedi reconnaît avoir eu des accords avec Vital Kamerhe, c'est l'individu Félix Tshisekedi. Donc Félix n'engageait pas l'UDPS. Je parle de l'individu Félix Tshisekedi. Non, non, à l'époque, quand il était candidat, il n'engageait pas l'UDPS. Mais aussi, nous n'avons pas refusé. Si l'UDPS, si l'UDPS a des accords avec Vital Kamerhe, que l'UDPS aille régler ses accords, les accords, mais nous, peuple congolais, nous nous référons à la Constitution et à notre volonté en tant que peuple. Félix Tshisekedi, c'est notre candidat en 2023. Et ouais. En tout cas, il y a un français, les alliances se font ici. Donc, nous, nous n'avons rien à voir avec les accords. Les accords interpersonnels. Il y a un moment qui a été un une organisation politique formée que des professeurs d'université, mais qui vous disent qu'il y a eu des accords nocturnes. Et si c'est ça, nous allons les brandir. On n'a jamais vu ça. Nous leur avions dit. Si effectivement il y a eu des accords, c'est que c'est vous qui ne valez absolument rien. Vous n'êtes pas scientifique. Les accords avec celui avec qui vous avez signé ne vous engagent que vous. Ça n'engage pas l'État. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est un individu, mais aussi une institution. Mais modèle obino bozo kendele ango papa Cédric Bouyanto. Modèle obino bozo kendele. Pour le lobo obete, comment vous m'avez pas obino comme il a pouvoir. N'a pas réfléchi à mon dingue. T. Le T. Tu vas m'en réfléchir. Regardez mon accord tout n'importe où. Le lobo obino. Pour la comme il est président. Na 2023. Donc, vous en avez besoin de la tête. Vous en avez besoin de la tête. Est-ce que le Lopenza, le quoi a pouvoir, vous avez besoin de la tête. Vous avez besoin de la coquille à l'État, vous avez besoin de la service, vous avez besoin de la tête. Donc, le Lopenza, vous avez besoin de la tête. Interpersonnel. L'hôpital de l'école avec Cédric, tant que vous avez besoin de la papa. Didier Boudim. Papa Boudin, vous avez besoin de interpersonnel. Maman. Le comme interpersonnel. Il y a eu qui ont lobby pour tous les gens. Mais oui, pour la population. Si ça ne dépendait que d'avoir une armée pour prétendre très fort, Joseph Kabila n'allait pas quitter le pouvoir. Pour vous dire que le pouvoir, et on a l'ingra hymne, il y a eu de peste, bien que je ne suis pas de l'UDPS. La liberté et le pouvoir sont l'émanation du peuple. Ce n'est pas l'émanation de l'armée ou des accords interpersonnels. N'est-ce pas? C'est l'émanation du peuple congolais. Donc, nous ne sommes pas en train de faire une certaine arrogance parce que nous sommes au pouvoir. Nous savons très bien que ce pouvoir, nous l'avons obtenu du peuple. Nous l'obtiendrons une fois de plus de ce peuple. IDPS. Ils allaient interpersonnel, tu sais que Dina, papa Nani, Boudimbo, ils allaient interpersonnel. Non, ils allaient penser parti na parti. Si on attend, on a eu à voir, on a eu à soutenir le président de la République.
Est-ce que c'est parce que Batim dit qu'il y a un apport, on a AVC, on a pas de problème? Est-ce que vous avez allié? Vital Kamerhe est un allié. Oui. Il y a un allié tout le monde. Mais là, est-ce que vous avez un interpersonnel pour dire que c'est que dit que vous avez un parti, ma partie? Il y a un défaut comparé. Les alliances, quand elles se font, l'âme d'une alliance politique, c'est d'abord la vision. Quand l'âme d'une alliance politique devient un intérêt quelconque, Or, nous sommes alliés à l'UDPS sur base non seulement de la vision, mais nous sommes liés par les sorts. Nous et l'UDPS, nous autres visions du Congo. Didier Boudimbou et Félix Tshisekedi sont liés par les sorts. Ce sort-là, c'est quoi? C'est le devenir du Congolais. C'est l'avenir du Congo. Nous sommes liés. De telle sorte que l'échec de Didier Boudimbou, c'est l'échec de Félix Tshisekedi. L'échec de Félix Tshisekedi, c'est l'échec de Didier Boudimbou. Nous luttons pour le changement et pour notre vision du Congo. Donc, Kamerhe, ça veut dire que, Kamerhe, Félix Tshisekedi, il y a par un intérêt. Et l'intérêt, c'était quoi? Félix Tshisekedi était porté par le peuple congolais. Vital Kamerhe ayant compris ça, mais qui avait un intérêt, il est venu se greffer à cet intérêt et non à la vision. Il y a un mot de Bavure et l'Andakinassima. Donc, déjà, Vital Kamerhe, le Yokasi, c'était l'inverse. Si ça aurait été l'inverse, puisque la politique, c'est des rapports de force, Kamerhe allait être présent dans la République. Allez, c'est candidat pour la République. Félix Tshisekedi est issu d'un combat qui était adoubé par l'ensemble du peuple congolais à travers la crédibilité et de l'UDPS et du fait docteur Étienne Tshisekedi à Moulumba. Vital Kamerhe, ses intérêts ne sont plus inavoués. Ses intérêts sont avoués puisque le parcours de Vital Kamerhe, tout le monde le sait. Vous savez, UNC, Vital Kamerhe m'a apporté le monde. Kokoma Mokonzi, ce n'est pas la volonté des organisateurs. Après, il y a Vital Kamerhe à UNC. Je sais que Kokoma Mokonzi est la volonté du peuple congolais. Mais ton bon intérêt, c'est seulement la volonté du Congolais. Vous pouvez tout apporter, vous pouvez donner les moyens, mais si ça ne dépendait que le moyen, Kabila serait au pouvoir puisqu'il en avait tout. On ne peut pas se fier à, soi-disant, il y avait des apports. Le grand apport en matière électorale, c'est les urnes. Et aux urnes, le peuple sanctionne, le peuple a sanctionné. Il a donné le pouvoir, d'ailleurs moi je peux dire, je peux aller plus loin, ça veut dire que la crédibilité, la conséquence de l'alliance UNC-UDPS a permis aussi à l'UNC d'avoir des députés. Parce que l'impact et la crédibilité de Félix Tshisekedi a été déversé sur Vital Kamerhe de telle sorte que le peuple pouvait aussi lui faire confiance. On va voir, on va vers 2023, le peuple congolais saura effectivement qui avait la confiance du peuple. Mais en 2023, la seule chose qui est sûre, Félix Tshisekedi sera ensemble avec le peuple. Il est avec le peuple. En plus de ça, tu as la queue. En 2018, au Zoloba, quand on va faire la Corona, Félix Tshisekedi est venu aux élections sur base de la crédibilité à combat, sur base de la vision et sur base de la promesse électorale. Félix Tshisekedi rentre vers le peuple en 2023 sur base d'un bilan. Alors, ce qu'on va peuple congolais, va vous à la face, il y a bilan, tout est accord à Genève. Les peuples congolais doivent apprécier sur base d'un bilan, tout est accord à Genève. Je pense que c'est un peuple qui n'est pas dupe, qui a déjà fait preuve de sa maturité à la face du monde. 2023, c'est demain. C'est faire leur jeu. Nous avons place dans le bac à mon colonion. C'est mon opinion, ce n'est pas mon parti. Nathan la capitale, Kamerhe, n'a mis son mi-balé. Comment se fait-il que Bango va lire dialogue? Non, ça veut dire que toi, tu es en train de relayer leur voix. Et c'est qu'il n'a mis comment se fait-il qu'il y a dans la optique Moko, dans l'adversaire? Parce que normalement,
un adversaire, déjà, faut que prendre avis naïe avec beaucoup de réserves. Mais comment lui, il se permet de relayer leurs avis? On est là, première manche, il y a réponse. Mais deuxième manche, il y a un peu de temps que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit. Non, nous ne sommes pas là à nous plier devant leur volonté. Il y a un veto de souveraineté. Nous devons juste sortir le veto de notre question souveraineté et les bouter dehors. Et le M23, ceux qui combattent M23, sont-ils congolais ou pas? Non, ils ne sont pas congolais. Ceux qui combattent ne sont pas congolais. Ils peuvent dire qu'ils ont la nationalité congolaise. Mais même moi, Cédric, aujourd'hui, si je traverse Nakomi M23, dès l'instant que l'âme du M23, c'est le Rwanda, ça veut dire que je porte le combat du Rwanda. Je cesse d'être congolais. Je suis un peu camerounais, je suis un Kanda, je suis un Bango, Ojo, je suis un faveur, je suis. Vous comprenez? Mais il n'a pas attendu moi là-bas. Le bac qui a combattu en équipe à Cameroun, le bac qui n'a qu'un autre foot en bon, on a eu commission et pas. Mais on est allé comme ça. Mais oui. Mais le fait que à défendre cette force tirée à Suisse, ça veut dire que il est apporté intérêt. Il y a beaucoup qui a été. C'est moi qui ai souvent dit. Si parmi les M23, il y a les Congolais, mais pour autant que les M23 agissent pour l'intérêt du Rwanda. Ces gens-là cessent de faire. N'ayez pas le tout. Les mettons dans le monde. Ce sont des terroristes. Et nous, nous n'allons pas négocier avec les terroristes. C'est ça. Et c'est catégorique. Bon. L'Ikambo peut être dans le lobby. Le bal à l'ingal à moi est pété. Pour l'Ikambo, zone tampon, wana, papa s'est dit que le bal à comprendre le karaté. Bal à l'ingal, zone tampon, on a eu de la balkanisation des fêtes. Zone tampon, il y a zone moko. C'est ça, non? Ou monsieur Atikali Koto, monsieur Atikali Koto, Atikali Poulili. Mais le but de la zone tampon à la création, à l'autonomisation d'un peuple, il n'y a qu'un pas. Est-ce que nous avons une zone tampon à Papa Cédric? Honnêtement, devant votre caméra, je voudrais bien saluer honnêtement et avec autant de sincérité la sagesse du président Félix Tshisekedi. Il vous souviendra, quelques mois après son accession au pouvoir, il était devant beaucoup de combattants, je crois en Belgique ou à Londres, où il leur avait parlé de ceci. Aïbise Bango, Bandekouana Baza Bandekouna Bisso, et Belena Yaba journaliste Nabino Alilo. Et Bélé Abba, opportuniste opposant, l'ont traité de tous les noms d'oiseaux. Or, c'était pour lui la manière de leur dire, en disant le contraire, nous faisons leur jeu. Bango a besoin, un comportement xénophobe, il y a un Congolais vis-à-vis de Bango, va se victimiser au niveau des Nations Unies de manière à ce qu'il va obtenir au Bozo Loba. Ah, il va Israël, na Bango, et les chefs de l'État. Sage qu'il était depuis, il a dit qu'il ne fallait pas entrer dans leur jeu. Il a même repris notre discours à Otikosa la lobby. Seront sérieusement sanctionnés les gens qui adopteront les discours de la xénophobie vis-à-vis de Bango. Et ça pour clouer Bango. Pour la Bango qui non, non, non. Combat Nabino, ce n'est pas ça. Nous ne sommes pas dans l'optique Yakou contre Bino. C'est que nous combattons. C'est plutôt les velléités expansionnistes au Bino Bozanango sur le sol congolais. Bozawana pour créer, pour ouvrir ma porte, ma fenêtre, il y a ma multinationale va exploiter Panabiso, va s'enrichir contre les Congolais. Et puis, nous avons besoin d'un cahier de charges, il y a balkanisation. Nous n'allons pas accorder la balkanisation. Ce qui préoccupe aujourd'hui les Congolais, nous devons savoir que la démarche amorcée par le président de la République ne sera pas dans le cadre de donner à nos adversaires un espace sur notre sol, mais c'est plutôt des conserver l'ensemble de notre territoire de manière à ce que nous ne perdions même pas un seul centimètre. Dossier pour nous sur la mouki moi mon cœur papa n'a pas eu la COVID. Na kuba mon ekomi ozonga mingi mingi na tangi papa ministre ya santé papa Bunganya lobi oxygène disponible en cette sixième vague COVID-19 en RDC liée au variant Omicron BA5
qui est de faible ampleur mais nécessite la vigilance pour les deux prochains mois, surtout pendant la période festive. Intensifier les mesures barrières, vacciner surtout personnes âgées, comorbidité, etc. Donc, Covid, en gros, on est sous soin. Théomonie que Nava scientifique, oui, c'est vrai. On a l'impression que moi. T'es Nava corps médical, t'es mais la limite, il y a d'abord sur la crédibilité de l'homme congolais, en tout cas avec beaucoup de respect. Je sais aussi récemment que le docteur Mouye m'avait dit que Covid est si laqué. Et il va contredire ça qui est en groupe après. D'accord, maman, ça va contredire en gros, un gars. Je suis malade, n'est-ce pas? Covid. Alors que, pourquoi on veut créer, au moins que Batubakou s'agapait parfois, na Bobangi. Pourquoi on a mis créer Bobangi na Katia Batou, mouta ko bela bebotenge ne kombo Covid, yéme ko ami Bakisi na maladie, mousou sou na Katia, peut-être yangonde kwa koumé na liwa. En tout cas, je suis d'un avis totalement contraire que il y a résurgence, il y a Covid, et tout ça, puisque vous verrez à la fin, que ça va passer et ça n'a pas vanté maman tout le monde toujours quand on a mboula yafika mi pépia quand on a mingi et puis les caca. Arrêtons un peu cette histoire de Covid qui malheureusement risque aussi de nous distraire par rapport à ma camp tout ça n'a pas ni quand mon père est sous façon de la journaliste tout comme ça moussala hein pour naoki balobi toti kako relayé c'est ni pas qu'on publie samedi calendrier électoral pour les élections générales donc on a pas raison que ça m'a père hein. Ah oui. Pour ma calendrier, il y a une élection dans l'ingénieur opposition politique, Ndeko Martin Fayoulou. Ah, ça n'est sonimi. Ndeko Martin Fayoulou, c'est un sonimi. Oui, quand j'étudiais, je croyais que c'était un homme crédible. Parce que moi, je connais Martin Fayoulou personnellement. Et il ne me connaît pas mon nom. J'avais beaucoup de respect en cet homme politique. Je croyais qu'il représentait quelque chose pour l'avenir de ce pays. Mais je regrette même, je me condamne d'avoir eu ce genre de pensées. Allo Bidin. Non, lui, franchement, il appartient à une racaille de la classe politique. Allo Bidin. Nous avons vu combien de fois ces messieurs accusaient les volontés de ce pouvoir de ne pas organiser les élections, au point même d'aller plus loin, de traiter le chef de l'État, de tout ce qu'il avait. Lobby, manifestement, la CENI n'a pas la volonté d'organiser les élections. Toutes ces accusations, s'ils sont sincères envers eux-mêmes, ils doivent revenir présenter leurs excuses à l'opinion nationale. Nous leur avons dit, le problème n'était pas seulement d'organiser les élections, mais était d'organiser les bonnes élections qui puissent corriger et que nous sommes rassurés que cela puisse se faire avec l'actuel bureau de la CENI, premièrement. Deuxièmement, il n'y allait pas avoir un seul report même d'une seconde par rapport à délai, il y a ma ponamindenge sengeli kozala. Yelo yo, Seni et Pesibiso, Tango, Yakokende, pour s'enrôler, et zola qui sa de bon augure, que les élections se tiendront dans le délai constitutionnel. Papa, il y a pas de langue. À l'objet que tes yeux atteignent de l'art, mon côté à ma partenaire étranger, et alors, voilà, Kabila, tout ça, tout ça, la mort va m'arrêter. Déjà, tu reçois de l'art, il y a pas un dingue, mais tu commis un budget à 14 milliards 600 millions. Bissomoko, tu as un budget, et au bout de ma casse, il y a Bissomoko, la bonne gouvernance impulsée par Félix Tshisekedi, tu as nommé 4 milliards, il y a Joseph Kabila, tu commis à 14 milliards 600 millions. Bon, on va pas être au sein de mon île. Félix Tshisekedi, ça m'a pronomé, oh, tu es à l'objet que, dingue Kabila, d'un coup, ça, avec le coup, l'engagé n'a organisé d'office Nasa gagnant. Non, 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 il organise les élections. Il laisse le peuple s'exprimer, il laisse le peuple sanctionner, bien que le peuple sanctionnera sur base, effectivement, il y a gouvernance, il y a Félix Tshisekedi, et puis il y a perspective d'avenir, il y a peuple congolais. Donc nous sommes plutôt satisfaits, nous, autre vision du Congo, premièrement, mais moi personnellement, parce que Nabandi combat Oyo, Nakatia conviction Tshisekedi. C'est un mois où on a fait Tshisekedi, na gouvernance Oyo, ou honorer mémoire, ya Kondo et Tien Tshisekedi. Pour Nabiso, toujours considérer que tant que tu perdas, jeunesse Nabiso, tu sacrifies à Yango en 20, les lots Izobo Tabamboumana Yango, peuple congolais, Ava aujourd'hui rassuré qu'il peut faire confiance à Félix Tshisekedi. Les lots peuvent nous dans un mois, pour Oyakape, na bémission Nabiso, moi, Mingi. Balobina tout na papa Cédric. Est-ce que ma journaliste congolais, na mouma oyo,
Mingi penza maman Paulette, je peux aller à plus de 80%, je crois que ça ne sera pas une exagération. Bazo sala musala mabe. Pourquoi? Je vais argumenter. Pas la raison que ça va musala mabe. N'a regretté pour un TikTok et yena makama ba réseaux sociaux. Bah comme ko sala ba émission pour na ba vu. Donc ça veut dire qu'ils se permettent de faire de buzz, de ne pas se conformer na déontologie na bango, de ne pas suivre la norme journalistique parce qu'ils ont plus besoin d'attirer l'attention. Malheureusement, on irait pe ba buzz ngo sala maka na côté ya négatif. Donc si tu es négatif, bah ta la omingi. Yango so mona ki bah tout bazo s'abrutir, permettez que je le dise ainsi, parce qu'ils ont plus besoin de vues. On les a éloqué les bossos, et ça, ça va nous mousser la main des bazo relayer bah fake news, bah y'a des questions qui a lobby éloqué songolo, bah tout mingi bah tout talango, ce qu'a lobby boyé, bah tu as quand songolo, on les a éloqué les bossos, oui, baby si mousser la bah journaliste, et y'a mis balé, éloqué mis balé, et ça sous-traitance. Bah journaliste est beaucoup mieux qu'on s'est laissé sous-traiter na bah politicien. Na y'a évité, na dans la gana y'a facilité. Mais n'habitez ceux qui n'ont déontologie, n'habino neutralité à la caté. Mon pandisang autant ou comme il est mon militant, il y a l'ingomba politique. Ça veut dire même information n'ayez et comme il y a pour prendre avec beaucoup de réserves. Donc la politisation, il y a domaine n'habino des journalistes et bonne qualité. Mais on a besoin de la paix. Bah candidat, ça a besoin pour faire passer le message. Bah zobenga bah journalistes internationaux. C'est puisque quelque part vous devez vous amender. Est-ce que le travail de la presse congolaise aujourd'hui est-elle une fierté? Isambela, toujours pèse à pèse na ministre y a communication, ministre y a média, mon amboka Patrick Muyaya. On dirait que il y a pas les gars dans la presse étrangère, mais hein? Il ne s'y penche pas. Lui, quand les gars dans la presse étrangère, ils aiment bien, mais qu'est-ce que lui fait pour apporter une correction? Na ou toujours déploré na organisation na biso ya bapandisango. Lui, je pense que il en a la responsabilité. Voilà pourquoi nous allons peut-être espérer que Bilenge ou Basili Kokota Sika à travers la nomination de Salamawa va se pencher pour recadrer les choses. Sinon, nous sommes bien partis pour ne pas compter sur notre presse. Le Penza presse est comme Nango, Ndengo Lobina, Nandimi, parce que erreur Ango et Ozolo Balé. Le Lézo Bimanami soit Batome, la presse s'est comportée exactement comme ça sous Kabila. Binonde Batozaïko Yamami en opposition, Binope Boyako Finga Mingé. Tao Yamabino, Bezouana et Banda sous Kabila, Bobo Sanate. Tantôt, vous avez un babino, vous avez un fin à Kabila. Maman, vous avez un répété à l'été. Vous avez un sépéra. Ma fin de Kabila, Ali Rwande, Saliboué, tout ça, ça fait baisse. On a dit, 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 on a les lois comme mabé. Je ferme la parenthèse. Il n'y a pas de discussion. Non. Il y a des journalistes autoko compté sur Bango Lelo. Maman, je vous dis la vérité, chaque jour, il peut témoigner, il est en face de moi, je reçois plus de 15 appels, il y a des journalistes, je ne pars pas. Là-bas, je vais aller. Là-bas, je tiens compte de la crédibilité du présentateur, du niveau du débat. Parce que je tiens compte de ma crédibilité. Ma crédibilité, cette fois-là, dépendant de celle de la personne qui m'invite. Et aussi du niveau du débat autour de ça, là, où il faut profiter de la imboka. C'est bien mon cas, Paul. Si vous avez dit que vous avez un cercle vicié, pour bien mon cas, la politique, vous pouvez utiliser un cas de journaliste, vous avez un cas de vous avez un cas de journaliste, 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 vous avez un cas de Heureusement, parce que moi, je connais vos capacités. Moi, je connais que vous êtes une journaliste de caractère. Et s'il y a encore des journalistes aujourd'hui, honnêtement, au bas de la fierté, vous êtes parmi. Mais on a profité de la caméra. On a bien des journalistes sans honte et plus sans fanatisme
bah emboîter bah pas. Ce qui est bon, on imite. Hein. Faut pas avoir honte d'imiter ce qui est bien. Vous faites bien votre travail et vous devez aujourd'hui constituer un modèle pour les autres. Et ça, la biseau passe. Comment on a des barreaux qui étaient trop bas comme ça, même dans le monde entier, et ça, biseau sonne, n'est-ce pas? Hier, on n'avait pas parlé de ça. Aujourd'hui, quand nous en parlons, c'est une honte. Biseau tombe avec une opposition. Nous n'avons jamais insulté gratuitement. D'ailleurs, ce n'était pas des propos injurieux, c'était des qualificatifs. Quand nous étions en train de qualifier sur base de ce qui se faisait, je vois aucun mal. Mais quand aujourd'hui, les journalistes, c'est plutôt les journalistes qui se permettent de tirer vers le bas. Moi, information, mon repère à Souka, on a contenu pour féliciter papa Molendo Sakombi pour Balobi. Sa nouvelle loi foncière a été déclarée recevable par la plénière de l'Assemblée nationale. Elle transcende les clivages politiques car votée à l'unanimité des députés présents. Elle va à la commission PAJ, politique administrative et juridique, pour examiner. Nakolingana, Kota Soumaka, c'est pour la Yébi Penza loi en Gomala Mouté. Donc, papa Molendo Sakombi, Nakoleka. Naye ba loi wana foncière nazo ba détails nyo so poto sa elango émission poni ka mama belé na monde zobo oh vraiment ba belé ndé hein l'autre so kufela ti ma belé donc il faut ba loi moko penza malamu ko encadrer poto to sauver mboka na biso na yebi te minute tika di boni papa so ito so na ma minute 5 minutes merci donc to koki kolobela situation IDPS to gato lingate IDPS ezali parti il faut ka to lobela ya oui to matato kita hein? Il y a des partis à mon aîné, partis aux alliés au pouvoir. Donc, ma camionne, ce que les Canadiens dépèsent indirectement, elle qui touche pays. Oui, oui, oui. Le Cambo et Gégé entre papa Oyo, Wakwenda et papa Kabouya. Je suis venu à Lobby, je suis venu à Madrid, qui représente IDPS. Qu'est-ce qui se passe, papa Nangai? Balobi, image à IDPS, Nenge Makambo, les Canadiens dépèsent, les alliés qui ont sapé, Nenge Mokoya Kokumbama. Parce que Balobi, ce qui est. Famille Nayote, c'est que Mboko Kouka Kogéré en mouti. Maman Colette, au moni, na lina loba makambo vraiment, na maye le mingi puisque Ngaza yu de peste. Ok. Mais, biso nyon so, to botami na komba yu de peste. Yu de peste, c'est un peu comme une université. Exactement. Oui, biso nyon stobi, meli wana. Objectif à yu de peste lelo, et ça sous ce conquête à pouvoir, et ça exercice et conservation. Et pour nous conserver, en gros, il faut une bonne organisation interne au sein de l'UDPS. Et nous avons connu beaucoup de moments, notamment avec Benjamin Arkabound au parti, et connaissant que le moment est turbulence, et puis il s'est fragilisé. Nous avons beaucoup plus convaincu que l'UDPS d'aujourd'hui augure un avenir sûr pour la réélection du chef de l'État, avec le CG Augustin Kabouya à la tête de l'exécutif national des. Balongolité. Makamarolongolaye, Nakolongolité, moi je suis en train de donner mon avis. Pour la couille, il y a à la base, il y a des turbulences que nous pouvons considérer qu'ils sont utilisés par le diable. Le diable qui ne veut pas, peut-être. Diable, on est. Le diable, on a fait. Non, le diable, si je considère comme un tireur de ficelle, ou peut-être qu'il y a une union sacrée. Ah. Tout le monde, il y a un chef d'État, ou quoi, peut-être qu'on va déterminer pour réélire. Peut-être tenté, on va voir un nombre élevé à la députée. Ils peuvent aussi faire circuler l'argent. Et bah pour utiliser Kabananda, maman pour balbou maman boti, bah pour payer sa carte à moi nanaie qui ne qui pour aider ma kila naie. Alors peut-être que bah comme utilisé par ma officine politique on a pour déstabiliser. Et pourtant on voit aujourd'hui l'île de presse avec Kabouya, Congo central et Tombaki, Bandundu et Tombaki, Kisangani et Tombaki, Katanga et Tombaki. Bah ils ont accusé par exemple Aza rassembleur qui à travers la nomination sous Ezo Salem. Maman nomination Salem à Balobi que Azo faire nommer Batumsou avait eu de peste et puis Balobi que Azo monnaie ma poste. Bon, monnaie les postes, moi je me pose la question avec beaucoup de respect. Par exemple, Mouninga Nanga, félicitations à lui d'ailleurs pour sa nomination. Ami Simakouta, nous PCR au Jeffrem. Bon, d'abord PCR au Jeffrem, ce qui est nommé, nous savons tout ce qu'il est de l'UDPS. Oui, pour nous, s'il faut monnayer fonction, il y a PCA. Il y a combien de mots? Mais Nanga, il y a Mouninga Nanga, tout ça. Qu'est-ce que lui avait pour acheter un tel poste? Nous devons quand même reconnaître que ce sont des jeunes gens qui se sont battus, ce sont des jeunes gens qui ont des capacités, ce sont des jeunes gens qui ont étudié et qui peuvent apporter quelque chose. N'oublions pas qu'on construit une vision qui est sur base de ceux qui la connaissent et ceux qui la maîtrisent. Merci. Il y a une vision à l'UDPS, moi je vais défendre la vision à l'UDPS. Je pense qu'il faudrait bien que dès qu'on a mis sur l'UDPS, Babo sanate que toute autorité vient de Dieu. Bapé sa maboko namokondiamboka à travers l'organisation où ils ont jusque-là en place. Et puis statut na bango, ils ont bien clair, bah il y a un bonni balongolaye, peut-être qu'il y a un congrès, mais pour le moment, ils doivent se conformer à ça parce que Bissou va allier. Nous ne serons en bonne santé que si l'UDPS est en bonne santé. Merci papa Cédric, nous disons tout le temps, on va pèser qui Bissou et Koki.
Meeting que vous rappelez Mouké et Bongo Tokabwana. Meeting Nabiso et Zali pour apporter soutien. Il y a autre vision du Congo dans la FRDC face à l'agression toujours subir na Rwanda à travers M23. Maître Didier Boubimbou, très déterminé à apporter son soutien au chef de l'État et au FRDC, à mobiliser Bana et AVC sur Kinshasa. D'ailleurs, bah, représentant Nabiso Nyon sur la province et la diaspora, Baza déjà sur place. Pour la cause là-bas, porteur, il y a un message où il y a moko personnellement à couper ça le 3 décembre. Mais il y a un awa, na Betimbela, na bana ya autre vision du Congo, tout ça m'a séjour wana, na stade Vélodrome, particulièrement ici je parle en tant que initiateur et président, il y a nouvelle génération politique. C'est vrai, j'ai déjà placé, j'ai déjà lancé ma mobilisateur Nabiso, na lingi nouvelle génération politique Mokoloana, avant sortie officielle Nabiso, tout là qui sa déjà capacité mobilisatrice Nabiso, j'ai besoin de voir plus de 5000 membres, il y a nouvelle génération politique, côté na Mokoloana, na salle Vélodrome, tout porté président de la République, tout porté FRDC, tout témoigner attachement à Nabiso, la vision à l'autorité morale et à AVC, maître Didier Boudimbou. Tu peux si Pembote Mingi, meeting et Kitoko, en tout cas, Bosala Mosala Nabino, Kitoko, et l'autre Tosaï Nango en commun, ce n'est que la République démocratique du Congo, avec comme superficie 2 345 000 Nabandambou de kilomètres carrés. Merci à vous, Petokomonana Mbalasi. Merci, Papa Boudimbou. Merci, Maman Paulette.